Bonjour à tous, c'est Lucky Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, bah écoutez, ça va plutôt pas mal. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, comme je disais, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos packs opening sur l'adresse mail qui sera donc en commentaire. Et voilà, donc j'espère que vous, bah, en tout cas, vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Si vous êtes en cours, ben, que votre journée de cours s'est bien passée. Enfin, voilà. Moi, personnellement, j'étais en cours aujourd'hui, ça a été très crevant, mais bon, on fait comme on peut. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne aussi, et donc voilà, mettez votre ressenti. Donc là, je pense, objectif du coup, ben, du jour, on va essayer de passer pourquoi pas à 3600 trophées, voire peut-être à Arène 11. Et au niveau des défis, il y a le miroir de C2, tiens, qui va commencer dans 12 heures. Eh bien, écoutez, je ferai cette vidéo dans ces cas-là, ben, dans 12 heures. Dès que ça commencera, c'est-à-dire demain matin, je risque de tourner une vidéo, peut-être dans la soirée. Pour vous présenter un petit peu ce mode et puis bien sûr pour jouer. Allez, c'est parti, trêve de bavardage. On remet le son. Et on est parti. Et donc n'hésitez surtout pas à me dire si je parle pas assez fort. Si je parle trop fort, j'essaierai de parler un petit peu moins fort. Et si le son du jeu est trop fort ou pas. Allez, sur ce, bonne vidéo à tous. Allez, on va partir sur un petit sorcier à droite. Excusez-moi. Ben dans ces cas-là, du coup, on va essayer de contrer ce. Bon, pour l'instant, on se fait un petit peu dominer, mais ce n'est pas trop grave. J'espère qu'on va remonter. Alors, c'est parti, on va envoyer une attaque de choc, normalement. J'espère que ça va passer, les barbares d'élite. Ouh, ça doit passer, ça. Non, bon, mais ça passe pas, du coup, c'est dommage. C'est-à-dire que là, le problème qu'il va y avoir, c'est que le barbare d'élite, c'est bon. Ben, il aura fait un coup, c'est dommage. Ben là, je vous dis, les amis, on est vraiment mal embarqué. Hein. Enfin, je suis mal embarqué. Et donc, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je crée un petit clan pour les abonnés. Bon, écoutez. On essaye de toucher la tour comme on peut. Le cochon qui va arriver bien sûr maintenant, enfin, qui devrait pas tarder du moins. Ce qui est encore plus embêtant. On va essayer ça, voyons, on va voir si ça passe. Ouh, ça passera pas apparemment. Mais n'empêche qu'il a fait une sacrée erreur. Il y a de la chance que ça passe. Eh oui, c'était sûr ça.
Mais écoutez, c'est pas grave, on va pas se laisser abattre pour autant. On va repartir sur un petit deuxième combat. De toute façon, comme... Attendez, je sais plus qu'est-ce que j'ai comme un... Oui, donc voilà, donc au niveau des tâches, vous voyez, j'ai un coffre épique, là, et à 350... on va dire médaille d'or, hein. À 350 médailles d'or et je suis à 275. Bon, je suis pas trop loin, ça va. Mais je n'ai pas, par contre, je n'ai pas pour autant, comme vous avez pu le voir, d'autres tâches. Je n'ai vraiment que ces coffres. Alors pourquoi pas peut-être effacer, enlever les coffres. Voilà, on va faire ça. Bon, ben le zappy, on va s'en occuper assez vite. Voilà, donc là le Zappy, ben, il va plus avoir de vie du tout. Tandis que moi mes barbares d'élite, ils vont nerfer la tour de droite. C'est très bien. Donc un début de combat bien embarqué, je trouve. Hein. Donc c'est parti, on continue, on va essayer de faire pression. Même si c'est lui qui fait pression avec son chevalier. Ah, et quelqu'un est en train de m'encourager. Je le remercie. Et moi j'ai envie de dire on va pourquoi pas hein, puisque de toute façon ouh joli ben disons que je lui aurais pré-shot sans le vouloir bon. Je joue sur le 3 étoiles parce qu'il si vous voulez il m'a empêché d'aller à gauche là voilà là il y a une Valkyrie à droite je vais aller à gauche par exemple et je risque apparemment de pré-shot. Là, ouh. Non, non, je suis pas d'accord. Hein. Bon, la tour de droite, il va pas l'avoir d'un moment, à mon avis. Du moins, je l'espère. Et le Zappy qui arrive. Non, 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 pourquoi la Valkyrie là tout de suite là? Oh là là. Non, je suis pas content qu'ils étaient sur la Valkyrie là, je voulais pas du tout qu'ils aillent là-dessus. Boum, là, hop. Voilà. On va envoyer tant pis, ben, le bûcheron qui. Yolo. Ça pue ça, oui, en effet. Ouais, ça fait mal par là où ça passe quand ça frappe. C'est pas grave. Et voilà, c'est un petit match gagné. Bon, j'aurais peut-être pu faire 2 étoiles, mais c'est dommage, mais c'est un bon jeu quand même. J'ai bien attaqué, je trouve. Donc c'est parti. Et un coffre en or. Ça fait beaucoup de coffres en or, du coup. 3 coffres en or, ça commence à faire pas mal. Allez, on va continuer. Donc bien sûr je joue toujours sur le même avec le même deck. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je continue avec ce deck-là parce que c'est un deck dont je sais me servir et puis qui marche. Et sur mon second compte, en fait, j'ai fait une variante. Bon, j'étais obligé parce que j'avais pas le sort de soin. Le sort de clonage qui, je dois l'avouer, est pas mal dans le genre aussi. Aïe aïe aïe. Voilà, c'est ça que voilà. Ça craignait ça. On va essayer de nerfer la Valkyrie. Non, toujours pas. Bon, bah tant pis. Eh bien, écoutez, on s'en sort pas mal, je trouve, puisque la boule de feu nous aura énormément aidé. Là, on va envoyer le bûcheron, tranquillement, s'il veut s'envoyer. Ah, c'est bon. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il va m'envoyer une. Donc, je sais pas. Ok, bon, alors du coup, là. On n'a plus le choix du tout.
Aïe, aïe, aïe. Oh là, j'avais peur de ça, moi, qui me renvoie les barbares d'élite. C'est pas quelque chose que je voulais, justement, parce que vous voyez, ça me fait shot. Oh là, j'ai perdu. Je pensais que ma tour allait le nerfer, mais non. Bon, mais de toute façon, j'avais pas les élixirs, je crois pas. C'est dommage. Alors, par contre, j'aimerais rien. J'aimerais réellement, par contre, pourquoi pas avoir ce méga chevalier parce que c'est une carte que j'apprécie quand même pas mal. Ouais, Salut salut. Mathieu. À l'étude. Sans son sac. Oui. Au revoir. Excusez cette petite intervention, c'était un camarade d'internat. Et oui, je suis un internat, je suis vraiment. Enfin voilà, je vous le dis. C'est pour ça qu'il y a eu cette petite intervention, donc je suis vraiment désolé. Et donc écoutez, on est reparti sur une attaque. Et donc voilà, ce que je craignais, c'est qu'il m'envoie les barbares d'élite et c'est arrivé et j'avais rien pour le contrer. Donc là, on va essayer d'envoyer du coup les barbares d'élite avec le petit bourreau. Bon. Non! Je voulais envoyer la boule de feu. Ah bah oui. Forcément, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Comment je fais pour me rater ça? C'est un truc de fou. Oh. Par contre, vous voyez là où je suis pas d'accord, c'est que il m'a celui d'avant m'a eu avec des barbares d'élite sorciers et ils ont exactement le même deck à peu près. Et ça, c'est vrai que ça arrive souvent, très souvent que. Alors, je sais pas si c'est Clash, enfin si c'est Super 5 qui ne veulent pas qu'on gagne et qui font tout pour nous empêcher de gagner en mettant des decks que bien sûr on ne battra pas. L'exemple là, par exemple, je vais perdre directement, vous voyez. Ça, c'était sûr. Donc il y aura à peu près peut-être 20 minutes de Clash Royale, je pense, 20 à 25 minutes. Allez, donc c'est parti, 3485, c'est dommage. Record 3540 si je me trompe pas, donc on va essayer de remonter. D'accord, bon, on va lui envoyer ça, comme ça il arrêtera de. Ça devrait. Allez, voilà, hop, allez, allez, on va aller. Il n'a pas envoyé les barbares d'élite, c'est dommage. Bon, on va les envoyer là. Là, je vais me faire. Ça risque de faire mal. Pour lui, parce que. Enfin, moi, ça faisait mal, mais là, regardez. On envoie ça comme ça. Si. Voilà, un petit pré-shot, ça fait toujours plaisir. Je vais faire une couronne, du coup. On va soigner les troupes qui sont d'ici. Mais le problème c'est que ça passe très bien, et enfin, ça se passe bien au bout d'un moment, et puis après finalement tout qui se passe mal. Il y a tout qui capote, comme on dit. Bon, on va essayer de. Voilà. C'est très bien celui-ci, tac tac. Je vais peut-être faire que défendre, c'est peut-être pas intéressant, c'est pour ça que je vais attaquer quand même un peu comme ça.
D'accord, je pensais réellement qu'ils allaient suivre, mais non. Bon, d'accord. Du coup, ben, je vais peut-être perdre la tour à cause de ça. Écoutez, hein, on va. Oh, le petit pré-shot tranquillement. Boum! Ah, écoutez, hein, ça c'est un sacré petit pré-shot. Hop, hop. Oui, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on va la regarder. Je vais. Boum, boum. Gagné. Donc écoutez, aussi dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que les vidéos sont un petit peu trop longues. Et si vous voulez que je fasse par exemple des vidéos de 20 à 25 minutes. Parce que 25 minutes, ça sera grand max, je pense. Donc je pense que là, je vais faire une vidéo peut-être de 20 minutes aujourd'hui. Donc on continue, il n'y a pas de raison, on est là pour s'amuser. Que l'on gagne ou que l'on perde, eh bien, écoutez, c'est pas trop grave. Hein. Je vais pas mettre juste les gameplays où je gagne, ça sert strictement à rien. Donc du coup, moi je vous montre un petit peu tout, c'est-à-dire les attaques, les fins. Moi je les fais en live là par exemple, vous le voyez. Donc je vais pas arrêter le jeu pendant que... Enfin pas arrêter le jeu, mais arrêter l'enregistrement pendant que justement je fais la vidéo. Parce que j'ai perdu, c'est complètement bête. Donc du coup, je préfère autant tout vous montrer. C'est ce que je pense être le plus raisonnable. Le jeune, c'est une très très bonne carte, il faut faire attention. Ah oui, et aussi je tenais à m'excuser sur les vidéos, notamment, ben là ça va être, je pense, toutes les prochaines vidéos. Clash Royale, Clash of Clans, la dernière vidéo qui est sortie par exemple. Je tenais réellement à m'excuser de ce logo qui est dessus, mais je ne peux pas l'enlever. C'est parce que je fais le... Comment vous dire? Je m'occupe de faire la conversion des fichiers, donc VEP en... En MP3, c'est un, je crois. Enfin, je sais plus si je fais MP3 ou MP4. Mais donc voilà, du coup, je ne connais pas de site pour convertir les fichiers VEP. Je précise bien VEP. Du coup, je sais pas où est-ce que je peux aller les convertir. Et donc, du coup, vu que je les convertis avec mon logiciel de montage, il y a ça en plein milieu. Donc, je suis réellement désolé. Franchement, je m'en veux, mais je n'ai pas le choix. Donc si vous pouvez me proposer en commentaire des logiciels, enfin peut-être pas des logiciels, mais des, comment dire, des... Enfin, ça sera super, hein, franchement, si vous pouvez me donner des sites pour que je puisse convertir mes vidéos, c'est nickel, franchement. Je vous en remercierai. Et il aura une petite dédicace, certainement, celui qui m'envoie le nom du site. Très bien. Donc là, normalement, je devrais avoir la tour. Three, two, one, finish. Allez, il veut faire un petit 2C2, il n'y a pas de problème. Attendez juste, par contre, voilà, je regarde un petit peu l'heure, il est 24. Et cela fait 20 minutes bientôt, donc après, on va se quitter, juste après. Ben juste après, du coup, ce petit combat, je pense.
Donc, un méga choyé qui est une carte que je trouve absolument badass. Il faut dire ce qui est, c'est une carte qui est. Voilà, mets-le là. Qui est absolument balèze. J'ai du mal à la contrer quand je l'ai en face de moi. Alors, il peut m'arriver de la pré-shot, mais c'est. Enfin, pas la pré-shot, non, mais. Il peut arriver que. Je gagne contre des. Des méga chevaliers, mais c'est très rare. Tu les envoies pas? Tu fais quoi? Alors, tant pis. Ah, le pré-shot un peu manqué là. Ouh, je suis pas content. Mais ça devrait arriver à bon port. Boum. Voilà, très bien. Deux étoiles. Juste s'il pouvait me mettre. Oui, joli, 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 magnifique. Donc voilà, donc aujourd'hui, bon, la vidéo, ça va durer un petit peu plus longtemps que 20 minutes, mais c'était pas prévu, c'est vraiment juste pour vous faire plaisir que j'ai mis, que j'ai laissé ce petit combat de ces deux. Et voilà, donc. Écoutez, je pense que c'est sur cette victoire que je vais vous quitter et que je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!